C'est Beyond Two Souls le jeu. Là c'est quand on était petit. Oui, le jeu a pas de chronologie genre. Un coup tu incarnes la petite quand elle était petite, un coup quand elle est adulte. Et tu suis son histoire un peu... C'est une montagne de frites. Valdigo, t'es un roi, hein. Tu le sais ou pas? Merci énormément pour le soutien, vraiment. T'es vraiment le boss, franchement. Merci beaucoup pour les moyens que tu donnes. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Nathan, je suis trop fatigué. On peut s'en aller maintenant. Ouais, putain, du coup, je cache les sous-titres. Il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolé, j'étais complètement... Vous préférez que je mette ma cam en haut, chat, ou pas? Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin, je t'ai acheté un livre. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir? Ah oui. J'essaie de me mettre le plus petit possible. Je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer? Je finis ce que j'ai à faire. Genre, je me mets comme ça? D'accord. D'accord, je vais le chercher. Pourquoi il rigole comme ça? On sait très bien que tu me trahiras plus tard, hein. Donc commence pas à rire. Même si dans le fond, je pense qu'il est pas méchant. Je pense vraiment qu'il est pas méchant. Mais bah vas-y, c'est bon. Fais chier. Gros bouffon, va. En vrai de vrai, c'est pas un bouffon de chat. Bon, je vais dans la pièce d'à côté. Alors, où est-ce qu'il est ce livre ? Arrête, Aiden. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, Aiden. Je vais me chier dessus, là. Là, il y a plein de livres, là. Ok, c'est pas là. Oui, là, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en gros, quand j'appuie sur ce bouton, je deviens Aiden. Comme ça, vous visualisez un peu comment je suis relié à Jelly. Ah, il est là. Aiden ? C'est toi qui fais ça, Aiden ? Merci, Cam. J'ai 4 fois 8 mois de vieillesse. Si, si, biceps contractés, biceps contractés, biceps contractés. Merci beaucoup, Cam. Ça fait beaucoup. What ? What? What? Mais pourquoi j'ai une vision? Merci Kali. Niveau 3, 19 mois, mais qu'est-ce que je peux te dire avec une commu comme ça? Je te fais une musique, mais c'est... Vous êtes trop goldé. Merci! Merci beaucoup pour le soutien, Kali, c'est trop gentil. Merci mille fois. Genre là, mon daron, enfin mon daron. Tu l'as trouvé. Celui qui m'a adopté, il a pas entendu une seule fois que j'ai crié à côté là. Merci Hélène, ça va très bien, merci beaucoup. Mais what the fuck, mais c'est qui elle? Je dis tout va bien. Merci Fav. Merci beaucoup pour le prime. Tu es toute pâle. Ah oui, elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Merci Farwen pour le prime. Oui. Oui, un instant. Nathan, c'est pour toi. Eh bien, je sais pas si t'es là, mais je m'en occupe demain. Nathan Dawkins. Je comprends pas pourquoi j'ai des visions comme ça, je savais pas qu'il savait faire ça, Aiden. Ça m'étonne un peu. Je me demande si j'ai pas eu une vision Nathan. De sa fille et de sa mère et de sa femme, pardon, qui ont eu un accident ou quoi. Nathan, qu'est-ce qui se passe? À tous les coups, c'est ça. Ma femme. Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion. Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. Putain, c'est horrible. Elles sont mortes.
Jody, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jody ? Oh, le pauvre, putain, c'est tellement horrible. Merci Théo, merci beaucoup pour les 100 bits. Dire que ça arrive à des gens, ça, c'est tellement badant, mec. C'est tellement, tellement badant. C'est Tarpin Saad, bah ouais, de fou. Hein. Jamal Sheikh Sharif. L'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Il dirige une milice armée jusqu'aux dents, qu'il utilise pour contrôler plusieurs quartiers importants de la ville. Ce qui veut dire que notre aide humanitaire est bloquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Ah ? Il change de lieu deux fois par jour. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Il y a peu de chances qu'il y soit encore, mais c'est un endroit comme un autre pour commencer. Tu seras seul sur cette mission. Pas de contact direct avec l'ennemi, pas de renfort. Tu identifies et tu élimines ta cible, puis tu actives ta balise GPS pour qu'on puisse t'extraire. Ok. On doit te récupérer avant l'aube, alors ne perds pas de temps. Ok, j'ai compris. Le dernier soldat américain capturé ici a été traîné dans la ville par une Jeep. Super, ça rassure. On a trouvé sa tête et une de ses jambes dans un bateau de pêche. Mieux vaut éviter ça. Ouais. Ouais, c'est mieux. Merci, Yoshi. Je serais revenu avant même qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Wow. Comment ils ont ouvert la bouche, c'était trop mal fait, putain. Les modes Nianer, elle est parfaitement bien choisie. Merci Bubu pour le sub, merci beaucoup. Bonne chance, Jody. Allez, Jody. À mercredi. À mercredi, Jody. Ta cam est bizarre, non? C'est pour qu'elle gêne le moins possible le gameplay. Le fond vert, il va avoir un reflet du soleil, les gars, dessus. C'est pour ça que je le mets pas. J'ai pas condamné ma fenêtre encore. Faut que je m'en occupe. Pas de contact direct avec l'ennemi. Pas de renfort. Vérifie qu'il n'y ait pas de soldats, Hayden. Allez, Hayden. Ah, mais il y a des soldats, il y a des soldats. Putain, j'arrive pas, ils sont trop loin. Je peux pas me rapprocher avant. Eh non, putain, et l'autre, je sais pas où il allait. Faut que j'avance et que je fasse comme tout à l'heure. Enfin, comme à l'entraînement. Mais je le vois pas, le mec qu'on voyait à 2 secondes. Ah si, il est là, ok. Allez, vite, 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 vite. Et pendant qu'il va voir, je lui fais ma technique de Krav Maga, en espérant que je me trompe pas de touche. Bouge pas ma vieille, j'ai fait de la merde. Pourquoi
pourquoi je peux pas aller le... Merde, merde, merde! Merde, je me suis tombé de toutes les touches! Ah! Et vous voyez, en fait, je vous avais dit que le jeu est scripté! Regarde! J'ai tout loupé! J'ai tout! Je me suis trompé de touche et j'ai loupé toutes les esquives et le jeu il fait! Ah, vas-y, il est trop nul, on va le sauver quand même! Merci à Drake pour le prêt, merci beaucoup, merci Ross! Je vous jure, c'est scripté à la mort! Là, j'ai tout loupé, genre! Beyond Two Souls, mon jeu préféré qui m'a fait pleurer à la fin. J'ai tout loupé, le jeu, il m'a sauvé. Carrément, tellement j'étais une cause perdue. J'étais tellement nul, ils ont fait, bon, vas-y, fuck. Hein. On va le sauver, le bonhomme. Essayer de jouer correctement. Je sais pas s'il y a un autre mec ou pas. Je crois que c'est bon. Je crois que la voie est libre. Oh putain. Oh, je me suis trompé de touche. J'ai une catastrophe. Merci Théo pour les 50 bits. Je m'y ferai jamais à cette putain de manette d'Xbox, bordel de merde. Je veux avoir une manette de play pour jouer à la... pour jouer sur le PC. Mais c'est pas ma faute les gars, j'ai joué play toute ma vie, j'arrive pas à m'y faire aux touches d'Xbox. Je les confonds toutes. Me donnez-moi un truc avec croix, rond, carré et triangle et j'aurai plus jamais de problème. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Il le fait exprès, ouais, je vous jure, je le fais pas exprès. C'est juste la manette d'Xbox, je n'y arrive pas. Il me faut une manette de PlayStation. Je dois voir si je le vois dans le coin, en gros. Génial. Allez, on y va. C'est quoi, ça? Ah, c'est pour voir. C'est une vision. Faut que j'aille là-haut. Heureusement que j'ai pas couru, bordel. Mais je sais pas comment je vais aller là-haut, hein. En vrai. Mais attends, mais par où je monte, là? Là-bas, il y a 2 millions de militaires. Je suis perdu pour toujours. Est-ce que je peux sauter là? Ah. Non, je peux pas. Eh mec, je fais comment? Je regarde s'il y a une entrée. Il y a rien. Comment elle marche, y a tout le monde à côté et tout, c'est zéro discret. Je pense qu'ils peuvent pas me voir là-bas, sinon ça fait longtemps que je me serais fait choper. Non, bah les gars, je peux pas y aller, hein. Merci Liz, c'est gentil. Je vais voir s'il y a des trucs vers là-bas. Oh la merde. Mais attends, mais ils sont aveugles, les gardes. Là, je vais pouvoir tuer son pote, en gros. Génial. Allez, on y va. Ok. Je pense que c'est rien que je me cache. S'il y a personne, bon... S'en fout, quoi. Attends, je vais regarder au cas où quand même. Merde, c'est trop lent, je peux pas monter. Faut que je trouve un moyen d'aller là-haut.
Je peux lui faire une dinguerie, lui, ou pas? Non. Bah attends, je vais y aller le chercher comme ça. Hein. Tellement discret. Là, je pense vraiment qu'il nous a pas entendu. J'ai vraiment fait un dérapage contrôlé derrière lui. Bon, bref. Attends, maintenant qu'il n'y a plus de danger, là, je vais juste regarder si je peux monter quelque part par là. Vu qu'on a vu qu'il y avait un genre de souvenir. Mais j'ai l'impression que non, hein. Y a rien. Putain, quand on est sur une phase de jeu comme ça, tu sais, où il faut être discret et tout, c'est horrible. La maniabilité du perso, c'est un scandale. Merci Jovi, merci beaucoup pour le sub. Y a rien, bah écoute, je vais tracer, tant pis pour le souvenir, hein. Putain, y'a un mec au-dessus. Ah mais attends, je peux le tuer? Ok. Merci Malvin. 4 mois. Tellement heureuse. Désolé, mon visage souriant, merci Linka pour tes likes. Ah non, merci, j'ai cru que c'était une échelle. Merci énormément, c'est adorable. Merci beaucoup Malvinosaur. Putain, ils sont quand même beaucoup, hein. Je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit. Je vais pouvoir tuer mon pote, je pense. Débarrasse-toi d'eux. Est-ce qu'il y a encore du monde là? Je continue d'avancer, hein. Je vois personne. C'est peut-être pas par là qu'il faut aller, hein. Il a l'air d'avoir que dalle. Là-bas, il y a du monde. Là, il y a rien. Bon, on va continuer le petit chemin. Là, je peux tracer. Je pense qu'il est... Ah. Ok, j'ai rien dit. L'hôtel Zenaki. Merci Théo pour les 50 bits tout à l'heure, au fait. J'avais pas fait gaffe. Merci beaucoup. Et merci Coran pour le Prime. Plein d'œil. J'y vais direct. Comment ça j'ai loupé un raid? J'ai même pas d'alerte sur le côté, y'a rien marqué et tout. Ah. Bon bah j'ai l'impression que le jeu m'a dit qu'il fallait aller par là-bas là. J'ai l'impression. Attends, je peux pas le tuer lui tant qu'il est sur le passage. Hop les. Allez, salut mon pote. Salut mon pote. Salut Claire. Et merci du coup pour le raid que j'ai loupé. Désolé, il est affiché nulle part. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Ils sont partis. Oh super, tout ça pour ça. Ça c'est vraiment les moments du jeu nuls, je trouve. Genre c'est même pas fun, c'est répétitif et tout. C'est vraiment pas ouf. Les trucs, les phases un peu infiltration comme ça, je trouve. J'ai rien vu moi non plus. D'une cathédrale en ruine. Oh non, non, ça continue, faut aller tout là-bas. Je devrais trouver facilement. Hmm.
Là, il se passe quoi? Genre là, ça y va, quoi. Je comprends pas, chat. Ok. Bon, j'ai appris plein de trucs, là. Jamal. Il était ici. Ok, ok, ok. Je dois pouvoir descendre par là-bas, non? Même pas. Mais mec, j'ai trop la flemme de traverser toute la... Juste de traverser toute la ville comme ça, là. Dites-moi qu'elle passe au-dessus, qu'il y a une cinématique, et voilà. Attends, c'est X d'habitude pour le tuer, je vais y aller direct. Ouais, je peux pas. Il doit falloir prendre le contrôle de d'un d'eux, non? Non. Bah, what the fuck? Je fais comment? Ça me propose pas de lui faire une dinguerie? Bonjour Linka, tu es génial et j'adore. Je vais escalader devant eux. Voilà, hop les. Merci Juliette, merci beaucoup. Mec, ils sont aveugles tous. Ils sont vraiment aveugles. Crie pas. On va se faire repérer. Voilà, dis bien. Fais dodo. Voilà. Ok, ils se battent. What? Ah putain, je croyais que ça me tirait dessus. Je me suis dit, comment ils ont su? Je peux pas les sauver? Non. Mais les gars, je crois que je suis bloqué là pour toujours, hein. Il fallait descendre. Je peux pas tourner la cam, donc j'imagine que c'est par là. Ah, ok. Voilà, dis bien. Je suis en mode, vas-y, je speedrun. De toute façon, le jeu, il me laisse pas mourir. Il me corrige mes bêtises, donc autant tracer. J'y vais en course à pied. Et hop, je loupe tout. Et hop, et je vais être sauvé par le jeu. Oh non. Oh non. Non, je voulais prouver, moi. Oh putain de merde. Je m'en fous, j'ai Aiden en fait. J'ai Aiden. Regarde, hop là, qu'est-ce qui va se passer? Mais attends, je pouvais pas prendre la bouteille et lui mettre dans la gueule, là? Il était si confiant, mais oui, de ouf! Eh, tu devrais aller voir, je crois que ton collègue, il a un petit problème à l'extérieur. Un petit problème de rien du tout. Ah, c'est discret, ça. Alors, sur le jour de repos, bah, j'avais un tournage que j'avais oublié, du coup, j'ai pas pris de jour de repos, j'ai travaillé de 17h à... De 17h à... De 13h à 18h. Donc, j'ai pas eu de repos. Je suis abattu. Voilà, mange. Mange mon poing. Hop là, on se remet en piste. Ah, mais on est encore plus près du truc. Voilà, on a pris un raccourci.
La cathédrale. D'où est-ce que je la voyais dans ma vision ? J'ai pris un raccourci de zinzin, là. Il y a eu un énervement là. Des gens sont énervés ici. Merci beaucoup pour le sub, c'est gentil, pour le sub offert. Bienvenue à Katia du coup, et merci à Milo pour son prime. Merci mille fois à ceux qui utilisent leur prime ici, ça fait très plaisir. Mais c'est quoi Twitch Prime chat? Expliquez donc à ceux qui ne le sauraient pas. Peut-être que grâce à vous, je deviendrai multimilliardaire. Après, s'il y avait un moyen de rendre quelqu'un milliardaire gratuitement, je pense que ça se saurait honnêtement. Je pense que ça se saurait. Ça va pas dans sa gueule là. Là c'est bon. Mais attends, mais là ça va, c'est... Ah ok. Moi aussi. Je sais où ils sont. On y va. Pourquoi on a besoin de savoir tout ça? Bah je sais pas, je comprends pas. Mais on va sûrement comprendre où ça veut en venir dans le truc, tu vois. Ok, on peut pas aller par là, je dois faire demi-tour, je pense. Du coup, faut que je me casse. La caméra, elle semble m'orienter vers là, en fait. Mais je sais pas par où faut aller. Dis, je vais suivre la route au pif. Je pense que le jeu, il m'emmènera... Ouais, tu vois, la cam, elle se tourne vers là-bas, c'est que ça, je dois aller par là-bas, je pense. Ah, ok. Ok, j'ai peut-être mal pensé. Mais attends, je capte pas là. Là, il y a plein de super vilains. Ok, c'était là. Ok, c'est pas là. Ok, bon, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aille là-haut, mais je peux me tromper, chat. Je peux encore me tromper. Mais ce que je comprends pas, on sort de là, là, à l'instant, non? Attends, mais je capte pas. Ah non, putain, on était en face, quel con. Ok, my bad. Je cours en plein milieu. Maintenant, je prends des risques. Je m'en fous d'être vu. Je suis prêt à me battre. Il y a quelqu'un à côté, là. Ah, je peux pas appeler Aiden. Doucement. Tu as l'air blessé.
Je veux juste t'aider. Merci Théo. Pose ta gamin. Je vais avancer vers toi. Ne tire pas, ok? Allez, on va l'aider. Il a perdu beaucoup de sang. Il va mourir si je l'aide pas. Aiden, aide-le. Ça va mieux, gamin? Allez, prends ton AK-47 et va te balader. Je suis vraiment désolée, je comprends pas un mot de ce que tu dis. Salim. Salut Salim. Tu t'appelles Salim? Salim. Jody. C'est... Jody. Jody? Oui, Jody. Jody. Il va me sauver le gamin. Oh merde! On dirait qu'on a de nouveaux amis. Il va me sauver le gamin. Je vous le dis, il va prendre son AK et il va tirer sur les méchants. Je vais me faire sauver par un gosse de 2 ans. C'est trop loin. Je vous jure, il est trop loin. Je peux pas, faut que je m'approche. Et comment je vais faire? Bah. Ah mais putain, il y en a un juste à gauche en fait, je suis con. C'est lui qui me bloque, j'avais pas vu. Salim, couvre-moi! Ok, là je me retourne, je lui mets une bastos et je m'en fouine dans le crâne et c'est fini. Hop là. Je suis incroyable les gars. Allez, viens. Il faut qu'on parte avant que d'autres n'arrivent. Salim! Aide-moi! Attends, pourtant je vais à l'opposé là, ça devrait pas me toucher. Mais what the fuck, je vais à l'opposé, je jure! Tu vas pas me tuer toi, tu vas voir. Salim il va m'aider, je le sais. Salim! Salim, tu devrais pas avoir ça, gamin. Allô, subtil? Tu parles toujours pas ta langue. C'est bon. Je vais bien. On fait une sacrée équipe, pas vrai, Salim? Ah non, pas de sacrée équipe, il a rien fait, Salim. C'est Aiden. Dis merci, Aiden. Par contre, parfois, je fais le joystick à l'opposé de là où l'autre veut me taper et je sais pas, ça fonctionne pas. C'est difficile de passer inaperçu maintenant. La tour est par là-bas. Il a 8 ans et demi, Salim. Eh oui, et malheureusement, ça existe, hein, les enfants qui font la guerre et tout. Hein. C'est là que je dois aller.
Là, il lui dit de pas y aller. J'ai à perdre. J'ai rien à perdre. Je suis en position sprint là. Là, je vais vraiment y aller avec le gosse. Elle se dit pas non, faut dire au gosse de pas y aller. C'est quoi cette merde là? Je suis bloqué. J'arrive pas à passer. Ok, c'est bon. Salim, c'est bon, le jeu il était bugué, mais on peut y aller maintenant. Salim, t'allais où? Je t'ai pas vu. What the fuck? Mais il est passé où, Salim? Monsieur, c'est rien. Je vais vous aider. Ah, je peux pas en fait, c'est juste du voyeurisme en fait. Désolé, elle est morte. Fausse alerte, je peux pas vous aider. Viens, Salim, on se casse. Pas le choix. Devoir passer tout droit. Reste près de moi, d'accord? Viens vite! Aide-moi! Bouclier, bouclier, vite! Ok, let's go. Aiden, il est trop, trop broken, hein? Salut, Nono! Un petit sac, alors. Bisous, Nonox! Ok, vas-y. Grimpe! Allez, petit! Pourquoi je me retrouve à faire une mission avec un gosse? Il fait tout, c'est du cheat, mais je vous jure, c'est du cheat! Avec le bourbier. Dans quoi on s'est foutu, Salim? C'est la merde là. Il est civil et tout. Le gamin vient de sauter de 4 mètres. Hein. En détente. Merci Lucas. Le bonjour, bon Steam bisou sur la fesse gauche. Merci beaucoup. Débarrasse-toi d'eux. Comment elle me parle? Donne des ordres et tout. Ce pouvoir, c'est vraiment le plus fort. C'est trop broken. Salut mon pote. Ça va ou quoi? Hop les... Merci Crapule. Merci Evan. Merci Théo. Viens, gamin. Allons-toi. Doucement, Aiden. On va essayer de passer sans se faire repérer. Bah les vues elles servent à rien en fait en vrai. C'est juste pour donner un côté cinématique.
fonce sur un barrage là, on va se faire griller, c'est sûr. Allez, ouvrez. Il faut que ça passe. Merde, Titan, qu'est-ce que tu fous, bordel? Toute la ville va être à nos trousses maintenant. Là, on est dans la merde, hein. Baisse-toi et bouge pas. Mais pourquoi? Les gars, je vous jure, je fais bien le bon truc, je capte pas. Ok. Je comprends pas. Merci Ward, merci beaucoup de voir. Merci Théo. Ah mais en fait fallait faire vers le truc. Mais c'est moi qui ai... J'ai hint en fait tout à l'heure. Ok my bad. C'est moi qui suis une merde. Oh là là, attention, attention. Allez, ne déconne pas. Oh les cutés de fou, c'est pas pour moi ça. Ok, ça dégage. Hop, ça dégage. A plus seul à jamais. Ils nous ont pas vus. Comment on s'est sorti de ça là? Ah Salim. Tayeb. La Mouzabi et Aza. C'est là que nos chemins doivent se séparer. Il faut que je m'en aille. Est-ce que tu comprends, Salim? La Natrukuki. Yumkinouni Alpaka ou la Janibuki. Hastati ou Moussahadatuki. Désolée, mais tu peux pas venir avec moi. Non, Salim, il va tellement me manquer. Tu es très courageux, Salim. Et un jour, tout ça sera terminé. Ouais. Et tu pourras retrouver une vie d'enfant. Au revoir, Salim. Pareil. Oui. Pareil. Oh! Merci Alistair. Merci Théo pour les 150 bits. Au revoir, Salim. Va jouer au ballon. Enfin, en cachette. Ok. Jamal est quelque part dans le coin. Les gars, je trace. J'ai pas beaucoup de temps. Je trace. Rien à foutre, je me mets en mode speedrun. Y'a pas de je me cache partout et tout. J'y vais en mode speedrun et je fais la bagarre si jamais on me croise et voilà. Je vous avais prévenu. Je suis en mode speedrun là. J'avais plus rien à foutre. Jamal est là. Je dois trouver un endroit près de la maison pour me mettre à couvert. Tu sais ce que t'as à faire. Trouve Jamal, Aidan. Salim. Merde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il est allé, Salim? S'il reste dehors, ça devrait aller. C'est Jamal. Je vais pas pouvoir me rapprocher. Il y a trop de monde. Le faire, Aidan. Ah. Merci Théo, merci beaucoup. Bienvenue à le maître. Faut qu'on reste discret. Vas-y, mais je peux le tuer comme ça là. Pourquoi je peux pas le tuer là?
On fait une diversion par là. Putain, Shang Tsung va mourir. Maintenant, je peux rien lui faire là. Il y avait un truc là. Là. C'est quoi? Je comprends pas. Les gars, je capte pas ce que c'est. Genre quand j'appuie, je comprends pas ce qu'il faut faire. Attends, je comprends pas. Genre, là je peux interagir, mais je comprends pas comment. Quand je lâche, il se passe rien. Est-ce qu'il y a un point quelque part? Eux, ils ont pas de point, je peux rien faire. La personne a de point, je comprends pas. Oui, ça a l'air d'être des caisses de munitions. Je pense qu'on peut faire exploser. Mais je peux rien faire là. Attends, je vais maintenir un peu, voir. Non, mais il se passe rien, chat. Débloquer un nouveau bonus. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi les gars? Je comprends pas. Mec, attends, mais il y a forcément... Ah! Ok. Faut pas que je tire sur eux, faut que j'aille tirer direct sur lui là-bas. Ah mais du coup je vais être grillé là. Viens. Allez, trouve une arme. Petite batteuse là. Ah là, une arme. Les ordres sont les ordres. Ce type a du sang sur les mains, il mérite de mourir. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. J'ai pas un moyen de faire passer l'arme quelque part parce que là je vais me refaire bloquer à la porte quoi. Non, je peux pas, je voulais, tu sais, genre l'acheter un. Mais en fait, il y en avait déjà à l'intérieur, je suis con. Faut que je me trompe de touche là. Je vais me faire bloquer là, ça va être pareil. Attends, je vais essayer de voir si je peux par une fenêtre ou quoi. Mais là, je pourrais, là. Pourquoi je peux pas par ici? Je comprends pas. C'est de rentrer, mais je pense que je vais me faire recaler de la même façon. Ah non. Bah what the fuck. Ah ouais, mais il a pas le temps, mon bonhomme. Ok. Viens vite m'ouvrir la porte. Je dois vérifier que Jamal est bien mort. Vite. Déjà 5 mois et ça m'attend même pas pour le jeu. Des gros bisous. Bah, je peux pas l'ouvrir. Visage chat romantique. Ah, celle-là, ok, merde. Merci beaucoup Artemis pour les 5 mois, merci beaucoup. La taille du chargeur pour tirer autant, j'ai compté 40 coups moi.
Visage charmantique. C'est lui, hein. Elle vient de tuer 50k avant et c'est d'un coup qu'elle supporte pas. Je me suis dit exactement pareil. Même mon appareil photo, il est militaire, les gars. Non ! Regarde pas ! Salim ? Salim, c'est pas de ton âge. Oh la merde. C'est ton père. Il va essayer de me tuer. Ton père, il était avec les méchants. Viens, Salim. Oh, le pauvre. Du mauvais côté. Bah mec, comment tu veux que je m'enfuis là? Bah c'est impossible. Merci sage. Mais je vais me faire tuer là, non? On va se faire acclamer, on va se faire acclamer. Parce qu'on a tué le dictateur. Allez, je vais te sortir d'ici. C'est tellement pas crédible. C'est si peu crédible. Merci Théo. En 10 ans dans la CIA, j'ai jamais vu un truc pareil. Le patron a envoyé son propre hélicoptère pour ramener un agent. Toutes les grandes huiles sont dingues de toi, Jody. De toi et d'Aiden, bien sûr. Jody, tout va bien? Eh, hey, j'ai tué des dizaines de personnes. Dont le père de mon pote, Salim. Je sais que c'était difficile. Tu sais rien. On rentre. Une autre mission accomplie, d'accord? J'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas, Ryan. Jamais. Je vais lire Closer. Ah merde, je me suis trompé de touche. Bah, je vais prendre des médocs du coup. Comment va ta jambe? Mieux quand l'antidouleur fait effet. Merci Théo. J'ai plus le goût à lire.
Laissez-moi rentrer chez moi. Et la communauté internationale vient de nous annoncer la reconnaissance officielle de l'élection du nouveau président Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Toutefois, certaines sources indiquent que Sharif et l'ensemble de son gouvernement ont été assassinés au cours de ce qui semble être une attaque non revendiquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Beaucoup espéraient que le président nouvellement élu Jamal Sharif serait capable de mettre un terme aux hostilités qui ravagent son pays depuis tant d'années. Plusieurs chefs d'État ont déjà exprimé leur indignation devant ce qui leur paraît être rien de moins qu'une abominable exécution préméditée. Quoi ? Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles ? Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Ouais, et alors ? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais que je l'aurais jamais tué. Alors tu m'as menti. Alors là, mon con. Bienvenue à la CIA, Jody. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait, c'est tout. C'est peut-être juste un putain de job pour toi, ok ? Mais je m'amuse pas à liquider les gens parce qu'un connard de général 4 étoiles me dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, Jody, écoute-moi, calme-toi, ok ? On en parlera quand on sera rentré, d'accord ? Tu m'as manipulé ! Je vais l'enculer ! T'es servi de moi pour faire ton sale boulot ! Et quelle différence ça fait, Jody ? Cet homme était condamné avec ou sans ton aide ? J'ai du sang sur les mains ! Un gamin a perdu son père à cause de moi ! Parce que je te faisais confiance ! Parce que je croyais qu'on faisait ce qui était juste ! Je suis quoi pour toi, Ryan ? Un jouet ? Un putain de pantin à qui tu peux faire faire tout ce que tu veux ? On traverse une zone de turbulence ! Je perds le contrôle. Est-ce que tu m'as aussi menti cette nuit-là dans mon appartement ? Jody, arrête, putain, tu vas tous nous tuer ! Plus personne ne mentira jamais, Ryan. Jody ! Merde ! Elle l'a même pas. Putain, je l'aurais su avant de partir, moi. Quel fils de pute ! C'est pour ça que j'ai quitté la CIA. Attends, Dawkins. Ils se sont servis de moi. Pour tuer tous ces gens. Jody, qu'est-ce qui s'est passé ? Je savais pas. Je pensais qu'obéir aux ordres. Où est-ce que tu es ? Est-ce que Clayton est là ? Non, je me suis enfuie. Non, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Ils vont te traquer et te retrouver. Tu dois te rendre, Jody, on discutera, je suis sûr. C'est fini, Nathan. Je veux plus être leur jouet. Bah t'as bien raison. T'as bien raison, Jody. Tu leur diras bien que s'ils essaient de me retrouver, je les tuerai. Jody, écoute. Dis-leur, Nathan. T'as bien dit, Jody. Je les tuerai. Ok, du coup maintenant on comprend tout. La traque du début, le fait qu'on a tué tout le monde et tout ça. On se disait qu'on tuait des innocents, mais non, c'était en connaissance de cause en fait. Voix non découverte ? What ? À quel moment j'aurais pu explorer une autre voie ? Les gars, sans me spoil, juste le moment où j'aurais pu faire autre chose. Quelqu'un sait ou pas ? Quand tu t'es fait tirer dessus. Ok. Genre, je pouvais rester caché dans le bâtiment, en gros, un truc comme ça ? Avant qu'ils te récupèrent, ouais, je pense aussi. Oh, les bâtards ! Putain, je suis choqué.
Et pourquoi il voulait que je tue un gentil du coup? Ça a aucun sens, genre. Jodie, ma petite princesse. Oh, laisse-moi te regarder une seconde. Incroyable, ça faisait longtemps. Mais t'es vraiment devenue une magnifique jeune femme. T'es plus jolie que jamais. Il est tellement gentil, lui. T'as l'air triste et perdu, comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. Et Aiden, comment il va? Hein? Oh, ouais. Content de te revoir, mon vieux. On marche un peu? Oh oui. Oh, même Aiden, il est gentil avec lui. Je me faisais du souci. Ils veulent te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. Comment va Nathan? Oh, c'est le grand patron maintenant. C'est lui qui gère la DPA. Il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo. Tu as dit à quelqu'un que je t'avais appelé? Non. Troisième kiwi. Non. Pas même à Nathan. J'ai pas intérêt à ce que tout le monde sache que je fréquente une criminelle, pas vrai? Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde? Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Évidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Et le truc dont je t'avais parlé? Tu as trouvé quelque chose? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais son enfant était déclaré mort-né. Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur Nora? Eh bien, pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 20 ans, elle a participé à un programme de recherche de la DPA. Elle aussi, elle avait un don, Jodie. Et le père, alors? Tu as réussi à avoir plus d'informations? Il s'appelait Jonathan Nichols. Informe-toi, Popo. Il est mort avant la naissance. Bisous, Théo. Arrêt cardiaque. C'est tout ce que j'ai trouvé. What the fuck, c'est quoi cette poisse? Où est Nora maintenant? Les médecins l'ont internée dans un hôpital psychiatrique, juste après son accouchement. D'après son dossier médical, elle est encore là-bas aujourd'hui. Ma mère est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Je suis navré, Jodie. Il devait la prendre pour une folle alors qu'elle a le même pouvoir. Il faut que j'aille la voir. Jodie, je comprends que tu en aies envie, mais c'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Ça se trouve, mon Aiden, il va parler avec son Aiden à elle. Ils vont être potes. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jodie. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherchée par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter. Si. J'ai Aiden. Qui pourra m'empêcher d'y aller? Écoute. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. J'ai chaud, sa mère. Merci, Cole. Merci, Cole! Cole, le roi du jeu, hein, pour le moment. Hey. Tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule? Mais non. Mais non, Cole vient m'aider? Je me cache dans le manteau de Cole et il me fait rentrer en scred? Il va mourir. Non, putain, il faut pas qu'il vienne, je sens qu'il va mourir. En voulant m'aider. Il va se faire abattre. On va perdre Cole. Il y a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Parking est vide, ça me plaît pas cette histoire. Ils savent qu'on est là. Si je suis pas revenu dans 30 minutes, je veux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture.
Cole, Cole, attends! Il va mourir. Il va mourir, il y a un truc louche. Genre comme par hasard, c'est trop bizarre. Non, justement, c'est un mauvais call là de la part de Cole. Il va se faire attraper par le callback. Petite vanne. Et si t'essayais la politesse? Ça marche à chaque fois. Bonjour, je viens voir Nora Gray. Est-ce que vous avez une autorisation? On peut peut-être se passer d'autorisation, rien que pour cette fois. Je sais pas, on pourrait trouver un moyen de s'arranger, peut-être. Désolée, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. Oh là là, il a la voix chante. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Foulé en l'air. Voilà, hop, tiens, l'autorisation. Hop là! Tu vas faire les yeux blancs et tu vas me la donner. On sait même pas dans quelle chambre elle est. Eh ben, on va faire toutes les chambres. Aiden, il va trouver. Je l'ai trouvé. Level 7, 43. 7ème étage, chambre 43. Pour l'instant, ça va. C'est-à-dire quoi, éluder? J'en ai aucune idée. Aucune idée de ce que ça veut dire, éluder, concrètement. Éluder, définition. Alors, attends. Comme ça, on se couchera moins con. Éluder, définition. Éviter avec adresse, par un artifice, un faux fuyant. Éluder un problème, c'est éviter un problème. Voilà. Et maintenant ? Aiden, trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ah merde ! Il faut distraire le garde d'abord. Génial, Aiden. Ouvre la porte maintenant. Allez, viens. Allez, vite, vite, vite. La faute tracée là. Dans le noir, ça semble être le mieux. Meilleur strat. Je crois pas qu'il nous ait vu. Y'a personne. Y'a forcément un truc. Aller plus loin. Déjà, si on enlève les caméras, on est pas mal. Là, je peux rien faire. Est-ce qu'il y a des caméras dans cette pièce? Oui. Je crois qu'on est bon. Là, je peux pas passer. What? Ah, vas-y. Ok, il doit y avoir un autre truc. Mais attends, mais what the fuck? Je comprends pas, chat. La cam là je l'ai eu. Il doit me manquer un truc. Ah ok.
Ok, là ça doit être bon. Ok, attends, il y en a encore d'autres que j'ai pas vu, c'est pas possible. Ah, ça a fait apparaître un monsieur qui dort. Oh, il est trop loin. Eh ben, on s'approche, c'est pas grave. Est-ce que je peux l'attirer ici? Non. La cam, c'est bon. Je te vois, Aidan, est-ce que tu sais ça? What the fuck? Oui, je te vois. Ah, c'est que des gens comme ça? C'est que des gens comme ça, on voit ici? Ok, c'est que des gens comme ça, je pense. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse m'aider là. Y'a rien avec quoi je puisse interagir. Mais mec, lui, il sert à quelque chose. Ils ont de l'intimité ou pas? Je peux rien faire, chat. Fais-le venir, Aidan. Est-ce que tu es prête à sacrifier ta propre vie pour sauver ce monde de fous, Johnny? Ok, là y'a rien. Putain, lui il me parle et tout, c'est trop bizarre. Les gars, je comprends pas, je peux rien faire. Est-ce qu'il y a une cam que j'ai pas vue? Parce qu'elle a dit fais-le venir Aiden, mais je peux pas. Elle est trop loin, je peux pas interagir. Ça sera plus tard, je pense. Et les gars, vraiment, je sais pas trop là. Ah. Ok. Regarde ton chat, OMG. Non, 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 je veux pas me faire spoil, justement, je préfère me débrouiller. C'est exactement précisément pour ça que je regarde pas mon chat. Let's go. Faut qu'il m'ouvre avec sa carte. Merci Dave. Merci beaucoup mon vieux, c'est gentil. Ok. Je vais récupérer la carte. Bande de pabots, voilà, dis bien. C'est des gros pabots tout vilains. C'était la chambre combien déjà les gars, vous vous rappelez ou pas? C'est cinglé, me foutent vraiment les chocottes. Tu me rappelles plus? On peut trouver la chambre 43 et filer d'ici. Ok, 43, merci mon vieux. On ne doit absolument rien négliger. Putain, ils sont glauques. Faut que je coupe les cams. L'autre, il va en détente devant les cams et tout, le boulet. Bouge de là, bouge de là! Mais il est con ou quoi? Vas-y mon pote, il fait aucun effort hein. Chambre 43, j'ai trouvé Jody. Super, mais je voulais désactiver les caméras moi à la base. Jody, ouais. Par ici. On va voir ma mère. Oui, j'arrive, j'arrive. Crie plus fort aussi, j'avoue, il casse les couilles. Chambre 43. Maman, j'arrive. J'attends ici. Jody. Il est possible qu'elle soit troublée. Si ça se trouve, elle se rendra pas compte que t'es là. Tu devrais peut-être pas aller lui parler. Salut mon pote. Oh, c'est trop glauque.
Est-ce qu'elle a un Aiden? Maman, c'est moi. C'est Jodie. Elle est sous sédatif ou quoi? On dirait qu'elle me pisse dessus. Bien joué, Nora. Elle a eu la même vie. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir? Non, vous n'en serez pas capable, Nora. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux, vous pouvez en être sûr. Mais c'est ma petite fille! Ramenez-la! J'ai changé d'avis! Je veux mon bébé! Sédatif, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Ah, c'était ça! Je vous en supplie, laissez-moi la voir! Je veux mon enfant! Pitié, laissez-moi la voir! Il se peut qu'elle développe certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Je suis désolée. Les bâtards. Je te demande pardon. Tout était ma faute. Dis-moi, Aiden. Mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer ? Détruis cette chose, Aiden! Détruis-la maintenant! Elle est entourée. De merde, on lui casse la merde! Maman, reviens! Elle était en full drip! Maman, ma petite fille. Ma petite fille. On est dans sa tête. J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jodie. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Il n'y a rien, rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Ils te feront plus de mal. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. Mon cerveau est ratatiné, Jodie. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, Jodie. Et rien ne pourra changer ça. C'est trop triste! Bah c'est ça, vole lui son collier maintenant que de toute façon elle est amorphe, autant voler tout ce qu'on peut. Prends sa thune aussi! Jodie, prends sa thune! Qu'elle a un sac à main? Faut qu'on prenne. J'ai tué ma mère là ou je l'ai libérée?
Elle est mieux où elle est, elle est mieux où elle est. Je pensais que c'était genre jouer son cœur à travers, je voulais lui montrer le mien, tu sais, genre en mode un truc mignon. Je pensais pas que j'allais la tuer, putain de merde. Je serai toujours près de toi. D'accord. Je l'ai sauvé. Merci, maman. La boulette. En vrai, je l'ai libérée, hein. De cette vie de merde. Allez, je me casse. Maman, ça m'a fait plaisir. Je suis désolé, Johnny. Oh là là, non mais non. Oh le bâtard, je pense que c'est pas de sa faute, hein. Je pense pas qu'il ait balancé, moi, Cole. Ou alors il nous a vendu juste avant la fin. Enfin, genre, il nous a laissé voir notre mère une dernière fois avant de nous vendre, non. Je pense qu'il s'est fait griller, enfin, j'en sais rien. Il nous aurait pas fait ça. Il a dit désolé, ouais, mais il peut être désolé de la situation. Pardon. Oh non, me dis pas qu'il nous a vendu, pas Cole, pas comme ça. Pas après que je vienne de voir ma mère et qu'elle meure. Je suis où, putain de merde. C'est vrai qu'il marchait devant les caméras, hein, cet abruti. C'est vrai que c'est moi qui l'ai tué, mais c'était pour le bien de tous. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai? Nathan. Johnny, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu as perdu du poids. Mais tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Il va être méchant, non, je refuse de croire qu'il devienne méchant. Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens? C'est pas un bureau, c'est un château, ça. J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré, je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Ils ne voulaient pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Où est Cole? Il est chez lui, va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière. Tu vois, c'est pas lui, je pense. Je pense que c'est pas lui. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ma mère? Pourquoi tu m'as caché la vérité toutes ces années? J'ai voulu te le dire, je te le jure. Mais comment dire à une fillette que rien dans sa vie n'est vrai? Ah ouais, tu m'étonnes. Alors j'ai essayé de veiller sur toi. Je t'ai aimé. J'ai fait tout mon possible pour te protéger. Moi, en vrai, je le crois. Et maintenant? Bien sûr, on te croit, je vous jure, moi, je le crois. Tu comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça, ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Et ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Je suis en colère! Tu me demandes de venir en aide aux personnes qui ont essayé de me tuer?
C'est vraiment ça que tu me demandes, Nathan ? Écoute, Jodie, je vais t'expliquer. Pourquoi je devrais t'écouter ? Tu travailles pour ces enfoirés, tu m'as raconté des mensonges sur ma mère et sur mes parents. Tout ça pour quoi ? Le fric ? La soif de pouvoir ? La célébrité ? Arrête ! Tu sais aussi bien que moi que c'est faux ! Non, j'ai l'impression de plus rien savoir. On voilà, sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jodie ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ça me regarde pas ! Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. Je vous jure, si j'ai le choix, je refuse. C'est plus mon problème. Voilà, dis bien ! On va pas faire ça, nous. Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service. Et ils te libèrent pour de bon. Je dis, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Combien on est à avoir tué ? A mis fin aux souffrances de Nora, 72% quand même, il y en a plein qui l'ont laissée vivante, hein. Merci Wedus pour le Prime, merci beaucoup. Briefing. Ouais, Nathan, il est chelou, mais je sais pas, j'ai confiance, les gars, j'ai confiance. 1h, 40 minutes, 50 minutes, 1h. Eh bien, messieurs, dames, dans ce cas-là, c'est une fin de live. Comme ça, on continuera la prochaine fois. Ouais, ouais, autour des 1h, je peux pas me le permettre. Je ne peux pas. C'est comme ça, chat, je suis désolé, mais j'ai pas le temps de faire un chapitre d'une heure. Et je n'ai pas envie de découper les chapitres parce que je trouve qu'on n'arrive pas à suivre correctement l'histoire après. Demain, je pense que je fais React de 17h à 20h, puis de 21h à minuit, The Forest, avec Akuan. Je vous tiens au courant si jamais ça change. Peut-être que ça sera 17h, 20h, The Forest et qu'il n'y aura pas de live de nuit, je sais pas. Donc, on partait du principe qu'il y a The Forest dans tous les cas. Enfin, dans tous les cas, il y a un live de 17h à 20h. Juste, je sais pas encore si ça sera un live React ou un live The Forest. Voilà, vous savez tout. Eh bien, les amis, je vous remercie d'avoir suivi le live. Je vous remercie pour votre soutien. Merci au modo d'avoir modéré. Et puis, à demain pour le prochain live. Du coup, c'était un live un peu plus court que d'habitude, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Je vous embrasse tous et merci pour la force. Hein. Comme d'habitude, vous êtes les plus beaux. Au revoir!